Connaissez mieux Charlie Hebdo avant les attentats? Ah non. Non. Du tout. Non, je connaissais pas auparavant. Alors moi non. Moi oui. Comment tu connaissais? J'en ai entendu parler, le journal et tout, c'est là où il y a des... Enfin, j'ai les trucs à la maison. Moi non plus, je connaissais pas Charlie Hebdo. Moi non, moi je connaissais pas. Moi non plus. Quelle particularité avait Charlie Hebdo par rapport aux autres journaux? Charlie Hebdo, eh ben il dessinait vachement. Alors du coup, ça nous permettait de pas beaucoup lire, mais de beaucoup voir. C'est... En fait, il fait pas le contour des choses. Il dit, mais franchement, directement. Mais pas méchamment. Ben, il disait ce qu'il pensait. C'est la liberté d'expression, je sais pas. Il fait passer un message, pas forcément direct, mais à sa manière à lui. C'est un journal assez long. Pourquoi Charlie Hebdo a été attaqué? Parce qu'il faisait des caricatures de Mohamed. Et qu'il faut pas. Enfin, qu'ils veulent. Enfin, comme certains ne veulent pas. Qui ont mal pris le enfin. Moi, les dessinateurs ont fait des dessins de des religions différentes. Et les religions différentes qui ont été visées par les dessins n'ont pas apprécié. C'est vu qu'ils disaient les choses franchement. Il y a des gens qui le prenaient mal et il y a des gens qui le prenaient bien. Donc, les gens qui le prenaient mal, à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Moi, je pense que c'est parce qu'ils faisaient des caricatures sur tout. Mais en faisant rire. Parce qu'en fait, c'était un. Il se moquait un peu, enfin il se moquait pas, mais il parlait des religions en rigolant, enfin en essayant de faire rire. Ils ont mis une image du prophète que les musulmans n'ont pas accepté, du coup, pour eux, ça les a. C'était le scandale. Du coup, voilà, ça a été un scandale par rapport à leur religion, parce qu'il ne faut pas faire des images de Mahomet comme ça. Qu'est-ce que les attentats ont provoqué chez vous? Commence. Bah, ça nous a fait réagir que. Enfin, que. Ils sont morts pour des dessins et. Mais c'est dommage que. Ils peuvent pas continuer. Ça fait peur, hein. Surtout. Moi, personnellement, de la peur. Parce que c'est impressionnant quand même de voir que. Ben, ce que les gens peuvent faire alors que c'est juste par des dessins ou des trucs. Tuer pour ça, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Bah, je sais pas, on tue pas pour un dessin, on tue pas pour la liberté d'expression. On est en France, on a des valeurs. Ben, moi, ça m'a choquée. Mais en même temps, je me dis que, ben, ils sont pas tous comme ça. C'est eux, je trouve qu'on généralise trop les gens par rapport à leur religion. C'est... pas de leur faute s'ils sont comme ça, enfin c'était des gens, c'est pas leur religion qui leur a demandé de faire ça, c'est vraiment les gens, c'est eux, c'est de leur faute à eux, pas de tout le monde, c'est les extrémistes quoi, enfin ils sont allés jusqu'à l'extrême pour leur religion qui ne leur a pas forcément demandé ça. Qu'est-ce que la liberté d'expression? La liberté d'expression, c'est quand on peut dire tout ce qu'on veut, on peut même le dessiner, enfin il y a toutes sortes de moyens d'expression, mais qu'on peut dire ce qu'on pense surtout, et qu'il n'y a pas de choses qui nous interdisent de le faire. Est-ce qu'on peut dire n'importe quoi? Non. Ça peut... moi je pense que oui, mais qu'il y a aussi des limites. Oui, voilà. En le disant. Ou pas. Moi aussi. Ça se débat. Imagine, tu vas voir le président de la République, tu lui dis pas n'importe quoi. Bah tu peux le sous-entendre. Ça peut blesser, ça peut aller plus loin après. Faut pas dire n'importe quoi. La liberté d'expression, ça peut blesser. Suivant ce qu'on dit, oui. La liberté d'expression, je dirais que c'est la liberté de s'exprimer sur tout, sans être jugé pour autant, parce qu'il y a forcément des gens qui ont même avec nous. Ouais. Pouvoir s'exprimer comme on veut et comme on a envie. Est-ce qu'on a le droit de dire n'importe quoi? Non, pas non plus. Il y a un certain niveau. Il y a des lois pour ça. Mais il faut avoir des règles quand même. Faut pas non plus dire insulter les autres, c'est ce qu'on pense en restant raisonnable. Voilà. La liberté d'expression, c'est le droit d'exprimer, de dire ce qu'on pense, nos opinions, nos différences. La liberté d'expression est-elle menacée? Non, il faut pas. Je pense pas, je préférerais pas. Moi personnellement, je pense pas.
Enfin, après, c'est pas parce que forcément Charlie Hebdo a été attaqué que ça peut arriver à toute la liberté d'expression entière. Un peu, parce que du coup, les gens, avec la peur, ils ont peut-être plus peur de dire ce qu'ils pensent qu'avant. La liberté d'expression, elle est menacée aujourd'hui parce que ils ont un peu, avec ces événements, ça a un peu... Eux, ils ont chamboulé voilà. Un peu tout ce qu'il y avait, et puis les règles de la France. En fait, Charlie Hebdo a mis sa liberté d'expression par le journal, et le journal a été attaqué, donc leur liberté à eux a été attaquée. Donc la nôtre aussi. Ça va recommencer, mais ça sera plus pareil. Enfin, les gens vivront toujours dans la peur que ça recommence, cet attentat, ça va choquer beaucoup de monde. Et pour le futur, pensez-vous que c'est fini ? Non. Non. Je pense que ça va recommencer. Hein, parce qu'ils ont fait une fois, mais ils vont recommencer d'autres fois. Oui, en plus, ça a remonté à un an ou je sais pas combien de temps. Et c'est revenu après, donc c'est sûrement pas jamais fini. Voilà. Faut toujours penser positif. Puis si jamais on se dit qu'il va y avoir des attentats, bah, il va y en avoir. Si on se dit qu'il n'y aura rien, ils vont pas se mettre l'idée en tête d'en faire. Moi, je pense. Je pense que ça peut recommencer. Comment vous vous sentez un mois après les attentats? Ça fait de la peine pour les gens qui ont été tués, qui ont été abattus. Moi, personnellement, si je serais dans la famille, j'aurais peur en même temps. Et de la rage aussi. Ouais, de la haine. Par rapport aux gens qui les ont tués? Ouais. Je me sens pas serein. Pourquoi? Ben, parce que c'est... Il y a eu l'attentat sur l'Hebdo, par la suite, il y a eu beaucoup de meurtres dans les villes voisines. Donc après, ça peut aussi bien venir vers nous, on peut repartir. Donc franchement, je suis pas sûre. Ça peut arriver partout. Il y en a qui disent que ça peut arriver juste à Paris, dans les grandes villes, tout ça. Dans le collège. Voilà, ça peut arriver dans mon collège, en campagne. Tu peux même pas être libre, peux pas sortir dans la rue sans avoir peur. Voilà. Comment vous vous sentez aujourd'hui, un mois après les attentats? Comment? Ça va bien avec vous? Me happy. Hey, so don't worry, be happy. Qu'est-ce que vous avez après comme cours? Français, c'est pas grave. On va arrêter. Hein. Oh non! Ah, c'est bien. On en ressort plus grand.